Salut Céan! Ouais, voici Captain Flair de ses plus connus surnoms de champion, même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Clash of Clans. Aujourd'hui, ça sera une vidéo assez courte. Oui, j'ai bien dit courte. Parce que c'est juste pour vous expliquer les nouvelles mises à jour qu'il y a eu. En ce moment, ce mois-ci, le mois d'avril, il y a les gardiens mécaniques. Dans le fond, plusieurs une nouveauté. Avec le village principal. Quelques nouveautés plutôt. Pas une, mais bien. Vous voyez? On peut l'améliorer maintenant. Ceci jusqu'au niveau 14. Ça prend 5 jours. Puis ça coûte 840 000. Même affaire pour ça. C'est quoi la différence? Oh shit! Il chante à peur. Ça c'est de l'or. Il y a déjà de l'or. Ok, ouais, il y a une différence. La foreuse d'élixir noir peut être améliorée avec 3,5 millions d'élixirs au niveau 8. Ah, il est pas mal noir. Ah ouais. Il y a plus de noir. Il y avait autre chose. Je m'en souviens plus. Côté bâtiment, je m'en souviens plus. Je pense que c'était tout. Vous voyez sûrement ceci. Vous avez des nouvelles améliorations. Mais des améliorations temporaires. Et voilà. Pour l'instant, nous avons accès à 4 améliorations supplémentaires. Pour 4 troupes différentes. Il y a le gobelin furtif, super barbare. Sapeur, super géant. Qui doit être pas pire pour briser des remparts parce que ce que ça dit. Super géants sont plus grands et plus larges que leurs cousins ordinaires parce qu'ils mangent beaucoup à la cantine. Leur truc, c'est de cogner des murs pour passer à travers. Ça doit être le fun. Tu sais, les géants, finir avec des géants, c'est une peine perdue, mais là, ça, c'est le fun. Gobelin! C'est tout utile. Ces gobelins spécialistes de la furtivité restent très furtifs pendant un moment après avoir été furtivement déployés. En général, ils se font repérer à cause du tintouin qu'ils font quand ils trouvent de l'or. Ça reste des valeurs d'argent. On s'entend que c'est mis. Ça a l'air intéressant. Super barbares! Les super barbares sont extrêmement pareils que les barbares ordinaires. Sauf qu'ils sont plus rapides, plus puissants, plus beaux. Ils sont aussi plus de santé, peu importe son pas pareil. Ouais. Ça peur. Qui eût cru que rouler marcherait mieux que courir? Les super ça peur. Pourquoi tu ça peur? Pourquoi? Peu importe. Utilise des bombes par préallumées qui explosent en toutes circonstances. Voilà qu'est-ce qui est pas mal de nouveau. Une nouveauté aussi que. Ça, par contre, c'est moi-même que j'ai remarqué. Me semble que j'ai pas vu que c'est expliqué. Là, on va dans le second village. Bon, on va attaquer un peu, là. On s'entend que. Clash of Clans sans combat, c'est pas Clash of Clans. On s'entend. Une technique comment qui peut être efficace si bien maîtrisée, mais très difficile à maîtriser. Ah.
ça, j'aurais pas la deuxième étoile parce que ça, ça m'énerve. C'est terminé. Et vous allez voir la mise à jour. Je suis déjà prête à lancer une attaque. Ben oui! Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Par contre, je sais pas si c'est un temps limité ou permanent. Ah, ça, je peux remarquer. Il reste 1 minute 57. On peut voir le temps que c'est qu'il nous restait avant de terminer. Ah bon, ça je viens de le découvrir avec vous. C'est-à-dire à quoi ça sert à part de activer la productivité de ceci. De ceci. Pour ça, ça n'a plus d'utilité. Littéralement. Dans mon cas, j'ai tout amélioré. Je vais juste les renforts. C'est tout. Il mérite juste, justement. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés pour les mises à jour? J'ai pas à mémoire, je m'en souviens plus. Je vais être honnête avec vous, je m'en souviens plus. Il me semble que oui, il y a des nouvelles. Des nouveautés. Il y a des nouveautés qui font en sorte que. Je pense que le forage était accessible plus tôt. Il y a des nouveautés de l'hôtel de ville 11, 12, 13. Mais. Je ne sais plus. Je vais être honnête avec vous, je ne m'en souviens plus. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit que ce serait une courte vidéo. Désolé de ne pas avoir été en live samedi passé. Samedi le avant le dernier samedi de. Voilà, le mois de mars, évidemment. C'est le 28 mars. Je suis sincèrement désolé parce que j'ai fait une vidéo à la place. Vous savez, la vidéo quarantaine. Cette vidéo, fameuse vidéo quarantaine que je vous invite à écouter. Si vous voulez rire un peu, autant qu'il y a un peu de prévention et d'amusement. Pour vous dire. Que tous les youtubeurs ont dit que ça, les artistes, tout ça, qu'on dit à tout le monde pour que ça se finisse le plus vite possible, cette histoire-là. J'ai fait une vidéo plus précise, plus ciblée, plus concrètement en lien avec la quarantaine. Je l'avais fait avec Clash of Clans, mais là, c'était plus concret. D'une certaine façon. Je serai live si vous m'écoutez là. Je serai live dans là. Et ouais. C'est un peu plus tard, mais c'est pas grave. Sinon, je vais faire une annonce officielle après ce live là, bien sûr. Je vais faire une annonce officielle pour si ça fonctionne tous les samedis. Ou la plupart. Rends-le, je vais voir à ça. Alors pour ça, et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'essai. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans les liens sur ma manière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord. Donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, surtout pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.